Monsieur Breton, quel moment particulier aujourd'hui? Pour vous, c'est un soulagement, c'est quelque chose d'exceptionnel. Vous avez abouti à ce que vous vouliez avoir, à ce que vous vouliez faire. C'est quoi aujourd'hui votre sentiment en compagnie, effectivement, du représentant de la principauté de Monaco? Mon sentiment, c'est de retrouver toutes ces personnes à cette commémoration. Que le message passe, qu'on essaie de passer ce message de devoir de mémoire. Et notre but, c'est toucher le plus grand nombre, et plus particulièrement les enfants. C'est pour ça que vous avez, aujourd'hui, lors de cette cérémonie, vu la présence des écoles, vous avez vu la présence aussi des jeunes dans les chorales, et la jeune Aude qui a chanté notre chanson du mémorial. C'est ça le plus touchant, c'est de voir que vous avez des personnes maintenant qui viennent aux cérémonies et qui participent à d'autres événements, comme j'ai pu tout à l'heure vous le signaler. Pour vous, c'est vraiment quelque chose de très important que vous tenez à cœur. Quelle serait pour vous, effectivement, l'ampleur que pourrait prendre ce mémorial aujourd'hui? Pas forcément le mémorial, mais surtout le message que nous faisons passer au travers de ce mémorial. Les valeurs, parce que ce mémorial représente des valeurs qui sont l'amitié, la fraternité, la camaraderie, la conciliation et la paix. Ce mémorial est un vecteur de communication comme le programme sport que nous avons mis en place. Pour vous, c'est un véritable plaisir de recevoir effectivement le représentant de la principauté de Monaco? Bien sûr, tout à fait, c'est un énorme plaisir. Je laisserai d'ailleurs quelques petits la parole, donc s'il souhaite dire quelque chose, mais pour nous c'est important. Plus nous avons de personnes, plus nous avons d'associations, plus nous avons d'élus qui rentrent, comme je peux l'imaginer dans cette boucle, à faire passer ces valeurs, et surtout ce devoir de mémoire qui est important, puisque le militaire qui meurt au combat n'est pas une victime, comme dans un attentat terroriste. J'allais dire, quand il choisit le métier des armes, il sait qu'à un moment ou à un autre, il peut mourir. Quelle est votre réaction par rapport à tout ce que l'on peut voir et l'on peut entendre aujourd'hui par rapport aux attentats? Est-ce que ce que vous nous avez proposé aujourd'hui peut être effectivement un moyen d'apaisement pour oui. Cette fraternité? Oui, tout à fait, puisque, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, au travers de notre programme sport, nous avons des gens ici qui sont venus de Côte d'Ivoire, notamment le président de la Fédération nationale de Côte d'Ivoire de basket, qui est venu se recueillir au mémorial. Nous avons d'autres pays africains aussi qui soutiennent notre démarche au travers de la population, au travers d'activités sportives, d'activités culturelles. Donc pour nous, c'est important. Ce message passe. Pour vous, eh bien oui, que représente effectivement ce mémorial? C'est quelque chose d'important et vous aimeriez par la suite revenir pour commémorer cette journée qui, pour vous, je pense, reste importante? Non, très certainement, c'est important. Sur Monaco, il existe aussi une association devoir de mémoire. Et quand je rentre à l'ambassade, je vais les appeler et je vais leur demander de prendre contact avec M. Breton, voir s'il peut y avoir une convergence. Eux, ils sont plutôt concentrés sur tout ce qui est la période de la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Mais l'initiative qu'a entrepris M. Breton permet de, comme on en a parlé tout à l'heure, d'élargir ce champ de la mémoire et de le transmettre. Cela veut dire que le cas échéant, ce qu'a fait M. Breton aujourd'hui à Fratin, cela pourrait se faire du côté de Monaco? Pas forcément, parce qu'on n'a pas de soldats qui sont engagés dans l'OTAN. Mais on a des associations, comme je disais, il y a 120 nationalités et donc il y a des représentants. Je crois que tout à l'heure, il y a un résident monégasque qui a déposé une gerbe sur Frankel, qui est allemand, et ce qui montre aussi l'implication et les liens que ça touche. Ce sont des valeurs universelles qui doivent être transmises. Vous avez connu effectivement, comme vous nous le disiez tout à l'heure, le Nord. Seriez-vous prêt à revenir le cas échéant? Et puis vous allez quand même pas repartir avec la petite arme à l'œil? Non, un petit peu quand même. Comment avez-vous trouvé effectivement les gens des Hauts-de-France? Très sympathique. D'accord. Très sympathique. Donc le cas échéant, on peut compter vous revoir le cas échéant dans la région? Oui. Moi, j'avais visité aussi Calais parce que je connais pas. D'accord. Donc le cas échéant, après cette journée exceptionnelle, vous allez repartir directement sur Monaco ou vous allez peut-être traîner un peu sur la région? Alors, je peux vous répondre. Donc nous allons accompagner l'ambassadeur. Il reste jusqu'à demain en fin de journée. Oui. Donc il va participer à différentes choses. Notamment on va aller au salon du livre militaire et culturel. Demain matin on va visiter la coupole. Voilà, donc on a essayé de créer un programme donc, pour le monsieur l'ambassadeur et les carabiniers afin de visiter un peu la région dans un délai assez court. Monsieur l'ambassadeur, merci. Le dernier mot de la fin, pourquoi pas le cas échéant, pour ce qu'a fait Monsieur Breton. Écoutez,
je crois qu'il faut s'incliner bien bas, parce que franchement, c'est extraordinaire ce qu'il a fait, et ce qui l'anime est magnifique. Merci monsieur Breton, merci monsieur l'ambassadeur, le cas échéant. Eh bien, quand vous voulez, vous serez toujours les bienvenus dans les Hauts-de-France. Merci beaucoup.